Joaquín Tachán, ay, paso un compi. Cuyay, cuyay, ta guatasio. Cuyay, cuyay, ta yaquisio. Ay, ta y ta yay. Este es el momento solemne de la bendición de los órganos. Es una bendición dialogada. Yo rezaré algunas oraciones y los órganos van a responder. Despierten órganos, instrumentos sagrados. Ustedes entonarán la alabanza de Dios, nuestro Creador y nuestro Padre. Instrumentos sagrados, ustedes proclamarán el amor a Dios, nuestro Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Leur re-ramener une tradition musicale oubliée, mais qui faisait partie de leur histoire parce qu'ils étaient partie intégrante, c'est-à-dire que ces partitions n'auraient pas lieu s'il n'y avait pas eu la culture indigène, leur ramener ça, c'est aussi amener à nous une façon de jouer cette musique qui est la nôtre aussi et qu'on avait complètement oublié. Et voilà, donc ça rejaillit forcément sur la perception musicale qu'on a de cette époque, mais on a la musique baroque dans le sens large, et de se dire, ah bah oui, il y a une autre manière de la jouer. Là-bas, ça va être important de voir ce qui se passait. Et puis ici, est-ce qu'ici, la résonance va pouvoir être forte aussi? Parce que sinon, ça n'a pas lieu. Si c'est uniquement dans le village là-bas, ça n'a pas lieu. Il faut qu'il y ait aussi une résonance ici. Il faut que cette mission qui a été accomplie soit comprise ici, écoutée, entendue, que l'héritage se fasse, qu'on se l'approprie nous aussi. Voilà, c'est ça qui est important. Il ne faut jamais oublier cette partie-là non plus.
C'est vrai que c'est un événement, voilà. Et puis après, est-ce que la poussière va retomber ou pas? Ça, c'est la question, mais c'est la question qu'on peut se poser sur toute la trajectoire. Ce qui ne retombera pas, c'est qu'il y a eu enregistrement, donc il y a eu trace, il y a eu quand même quelque chose qui a été foutrement dérangé, dans le bon sens du terme, dans le village. Donc, même si le pourcentage de gens qui vont être transformés est minime, ça valait le coup.